Comme l'étoile. Philo. Oui. Alors. Elle est pas là. On va faire tout le tour. Est-ce qu'elle est dedans? Non. Elle est déjà là, ça se trouve. Ta voix, elle est là. Oh. Elle est en petit. J'ai voulu le sauter du fauteuil comme toi, mais je me suis fait mal, je me soigne. Il y a une flèche. Tourne. Non, mais le mot. Hein? Ah. Si tu me laisses un petit gâteau ce soir, ça me donnerait un peu de force. Oh. Mais. Va t'as qu'à te servir. Bah non chérie, elle te demande, hein. C'est parce qu'elle ne veut pas se servir. Elle est en béquille avec un pied dans le plat, chérie. Non mais rigole pas, elle a voulu faire comme toi. Du fauteuil, où toi tu t'es fait ton gros bleu. T'as vu comment c'est dangereux? Voilà, au lit. On voit bien que c'est un faux plâtre. Ah! C'est un plâtre quoi, un plâtre d'elfe, moi je sais pas. Ouais, où est-ce qu'elle les a trouvées, les béquilles? Bah, elle les a eu au pôle Nord, je pense, bébé. En rentrant cette nuit. C'est la même tenue que mamie. Que la tenue de travail? Oui. Oui, ça ressemble. La pauvre Oli. Bon. Bah voilà. Oli s'est cassé une patte. En voulant imiter Arthur. Rigole pas. Aïe ah, mon chat. Je sais qui peut pas sortir. Sacré Oli. Hello à tous, j'espère que vous êtes bien. Je vous retrouve en ce jeudi 8 décembre, je crois. Ça passe trop vite. Ah, oh, j'ai pas changé le jour. Attendez, on va le faire ensemble. Il reste 17 jours avant Noël. C'est bon, c'est à jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que le vlog d'hier vous a plu, j'espère que les vlogs vous plaisent en général, et j'espère que vous êtes contents de passer ce mois avec nous. Et puis bah, c'est parti, on y va. Allez, let's go. Kinder. 8, on a dit. Et bien, il est là. Ça ressemble à un chocobon. Pas sûr, mais alors tous les jours je vais y aller. Ah oui, non, j'ai à moitié ouvert le paquet. Un petit chocobon, ça c'est la valeur sur le chocobon. Enfin, après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, mais moi c'est vrai que j'adore ça. Ensuite, Ikea. Alors, j'aimerais bien encore un petit sablé, mais je pense que ça va pas être tout de suite. Et oui, vous m'avez bien confirmé, j'allais dire on, mais vous m'avez bien confirmé que les espèces de petits sablés goût un peu pain d'épices spéculoos étaient vendus chez Ikea. Et bah, nous, on y va une fois tout. Enfin, là, on y a été deux fois dans l'année, ce qui est exceptionnel, parce qu'on n'y va même pas une fois par an, parce que c'est pas à côté, et on y va vraiment quand on a besoin. C'est pas genre, on se dit, tiens, on va faire quoi aujourd'hui, on va chez Ikea, parce que bah, comme c'est loin, enfin loin, c'est à 1h15. Aller 1h15 retour, donc c'est l'expédition quand on y va. Mais bon, après je suppose qu'ils les font qu'au moment de Noël, et là je pense pas qu'on va y retourner. Je suis deg. Bon, bref, 8 ici. Oh, c'est une case assez grande par rapport aux autres, parce que les autres elles sont toutes petites. Alors 8 après. Oh, oh, c'est une petite tablette de chocolat. Oh, Arthur, il va être trop content, ça, par contre. Alors, attendez. Je vais essayer de la sortir. Sans tout casser. Oui, je l'ai. Alors, je sais pas, du coup. C'est trop mignon. Regardez. Petite tablette de chocolat. Assez grande, parce que ça, au final, ça fait quoi? Deux bons carrés de chocolat. Et il y a plusieurs sortes de tablettes de chocolat. Il y a chocolat au lait cannelle. Chocolat au lait et chocolat au lait orange. Bon, celle que je vais le moins aimer, c'est chocolat au lait orange. Mais je la mangerai quand même, parce que je pense que
ça devrait aller, vu que c'est du chocolat au lait et pas du chocolat noir. Mais écoutez, ça sera la surprise du coup, parce qu'il n'y a absolument rien marqué. Donc on verra au moment de la dégustation du thé et de la collation cet après-midi. On verra si j'arrive à reconnaître. Je vais arriver à reconnaître. Entre un qui a juste le goût du chocolat, un qui c'est chocolat orange et l'autre chocolat cannelle, ça devrait aller, j'espère. Allez, aujourd'hui, calendrier, broderie et ma bûchette. S'est fait offrir par son papa le calendrier broderie. Donc elle a ouvert toutes les petites cases qu'elle avait en retard, entre guillemets. Et du coup, ça se goupille bien parce que je ne la spoil pas avec les vlogs, parce que comme moi, c'est des calendriers un jour sur deux, et j'ai celui-ci et le broderie. Le broderie, je le fais vraiment pile-poil les bons jours, et celui-ci, je l'ai fait les jours où normalement, on n'a pas de case à ouvrir dans le calendrier broderie. Donc en fait, le calendrier, c'est le broderie celui-là. J'ai failli ouvrir le calendrier broderie. Le calendrier papeterie, voilà. Je l'ouvre du coup la veille. Non, je l'ouvre le lendemain de ce que les gens ouvrent normalement. Là par exemple, on va ouvrir la case 7, puisque c'est hier que j'ai ouvert la case 7 du calendrier broderie. Et comme on est le 8 et que c'est un jour sur deux, ben normalement on n'a rien aujourd'hui, mais je vais ouvrir la case 7 du papeterie. Je sais pas si tout le monde me suit. Donc en fait, ma bûchette elle l'a déjà eu hier et elle ne me spoil pas, bien évidemment. Et du coup, on a le même, je suis trop contente. Allez! Case 7. Ah bah. 7. Je l'ai. Et ça sent la carte postale. Bah, la papeterie, on va dire que c'est plus simple à deviner. Ça sent une jolie petite carte. Et ça se trouve, tout le monde n'a pas la même parce que, du coup, c'est ce qu'on s'est dit avec, avec ma petite bûchette. Le washi tape, elle a eu Bambi. Moi, j'ai eu La Belle et la Bête. Les petites trombones, elle a eu un avion, un crocodile et le petit cochon, je crois. Et moi, j'ai eu fraise, petit cochon et... Je sais plus le troisième. Je sais plus. Enfin bref, du coup, il y a des petits trucs qui diffèrent et ça, c'est cool. Parce que comme ça, tout le monde n'a pas forcément toujours les mêmes petits cadeaux. Le seau, enfin les deux seaux, elle a eu le renne comme moi et l'autre, elle a eu un joli petit ciseau de couturière. Et moi, j'ai eu l'abeille. Voilà. Alors, c'est bien ça. C'est Flynn et Réponse. C'est Flynn et Réponse. Alors attendez. Est-ce que je vais y arriver? Je fais des confettis. Oh, il y en a deux. Oh, il y en a deux. Alors la première, waouh. Est-ce que vous allez voir? Donc c'est bien Flynn et Réponse. Il tient son diadème et il s'embrasse. Oh, en plus, ses réponses, genre à la fin, tu vois, avec ses cheveux coupés et tout. J'adore cette image un petit peu en croquis comme ça. Oh, peinture un peu. Et la deuxième. Waouh, c'est Alice. Oh, elles sont trop jolies. Elles sont trop belles. Vraiment, toutes les deux dans un style complètement différent. Là, on a un style quand même peinture un peu réaliste. Et là, le style un petit peu croquis, dessin animé. Oh, celle-ci est ma préférée. Elle est trop belle. Les deux sont très jolies, mais c'est vrai que celle-ci... c'est trop mignon. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Voilà. Ah, j'adore ces deux calendriers. La broderie et la papeterie, même si mon cœur penche pour la broderie, mais franchement, le papeterie est vraiment trop bien. Donc voilà. Daman, allez, let's go. C'est le calendrier, c'est pas moi. Quel thé nous allons déguster à la collation? Peut-être un thé du coup qu'on connaît pas, parce qu'hier on a eu un thé. J'ai l'impression que ça fait un peu ça. Un nouveau thé, un thé qu'on connaît, un nouveau thé, un thé qu'on connaît. Donc peut-être que comme celui d'hier, le Christmas d'hiver, on le connaissait. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un thé, soit bah, qui n'est pas nouveau, mais qui n'ont jamais mis dans les calendriers, soit une nouveauté. Alors, c'est les petits lapins, regardez, la case numéro 8. Oh non, j'ai abîmé. Bon, c'est pas grave. Jardin bleu. Ça ne me dit rien. Et il y a les ingrédients derrière. Ça, on aime. Jardin bleu. Alors, je vous montre. Tac. Genre, j'ai pas regardé les ingrédients, mais j'imagine des bleuets, là. Des myrtilles. Genre des baies, tu vois.
Mais de la myrtille, peut-être jardin bleu, moi ça me fait penser à myrtille. Parce qu'il n'y a pas de 3000 trucs qui sont bleus. Après, c'est peut-être des fleurs bleues, je sais pas. Thé noir, arôme, rhubarbe, fraise des bois, fraise, pétale de fleurs. Alors, il n'y a pas de myrtille, mais il y a du fruit rouge. Alors, la rhubarbe, je ne suis pas fan. Ma mère, je sais que tous les ans, elle en a dans son jardin, donc elle fait des tartes et tout. Moi, la rhubarbe, c'est quelque chose que je... En fait, le goût, j'ai l'impression que ça va, vite fait, tu vois, mais pas à manger comme ça. Parce que moi, déjà, c'est la texture que j'aime pas trop. Mais le goût, j'ai l'impression que ça peut passer. Par exemple, là, ça va passer, mais tu me feras jamais manger une tarte à la rhubarbe, quoi. Ou une confiture à la rhubarbe, ou un truc comme ça. Fraise des bois, fraise. J'ai envie de dire, c'est assez classique, mais ça m'a l'air d'être une valeur sûre. Il me dit rien, par contre. Je vais voir avec Buchette si elle, il lui dit quelque chose, parce qu'elle prend aussi le calendrier depuis des années. Mais moi, il me dit rien. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il va être bon. Là, je veux dire, j'ai pas de doute, au vu des ingrédients, sur le fait que je vais aimer ce thé. Et bien, on dégustera ça au goûter, tout à l'heure. Et puis, voilà, et je me suis raccrochée un ongle. J'essaie de faire attention de pas me les casser et tout, pour qu'ils poussent un petit peu pour les fêtes, quand même. Parce que d'habitude, je les garde très, 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 très courts, parce qu'avec la broderie, le DP et tout, c'est plus simple. Mais là, j'essaie de les laisser... Bon, là, ils sont tout courts, hein, mais j'essaie de les laisser un peu pousser, mais je me raccroche partout. Je me raccroche partout avec... Bref. Et ben voilà, sur ce, là, ce matin, j'ai le live, où je vais... c'est broderie, donc je vais attaquer la case broderie du jour en live. Et... parce que je ne l'ai pas attaqué hier soir, mais hier soir, on a fini le live à 00h30, et du coup, vers 00h45, 1h, j'ai attaqué ma case d'épée du coup du jour 8 et je l'ai terminée. Donc j'arrive à suivre un peu ce rythme-là de faire la case d'épée avant de me coucher, mais toujours après minuit pour qu'on soit le bon jour. Donc là, aujourd'hui, j'ai que la case broderie à faire et je vais la commencer ce matin en live. Je ne l'aurai pas terminée à midi, clairement, mais au moins, j'aurai fait un petit bout ce matin et je pourrai la continuer et la finir dans l'après-midi. Et puis voilà. Et oui, vous avez vu la bêtise d'Oli, la pauvre. Elle a voulu sauter du fauteuil comme Arthur et elle s'est fait mal. Et du coup, elle a une jambe dans le plâtre. Voilà, la pauvre. Voilà, voilà. Après, je sais pas où elle a trouvé. Je pense qu'elle a trouvé au pôle Nord d'Amazon, je pense. Je crois qu'il y a un Amazon au pôle Nord pour ce petit kit. Et je crois même qu'à mon avis, c'est pas donné, cette connerie. Je sais pas, après c'est Oli, donc je peux pas vous dire. Et pour ceux que ça intéresse, Oli vous mettra peut-être le lien en barre d'infos. Voilà. Mais c'est pas donné. Voilà. En fait, j'essaie de mettre le filtre enfant, je suis désolée, hein, mais. En fait, si jamais votre kid est tout petit et que vous avez encore plusieurs années où vous avez les lutins qui viennent vous visiter, l'investissement peut valoir le coup, on va dire, pour refaire pour que le petit lutin puisse refaire la bêtise plus d'une fois. Mais si vous êtes en fin de magie avec votre kid, je sais pas si... Voilà, c'est un peu onéreux. Mais c'est sympa, ça fait son petit effet, quoi. Voilà, je sais pas si le filtre enfant est bien ou pas. J'essaie, je fais de mon mieux, promis, parce que je sais qu'il y a plein de mamans et de papas, peut-être, qui regardent les vlogs avec les enfants. Voilà, sur ce, je vous laisse, je me speedouille, je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, dans un quart d'heure, je dois être en live. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Il s'appelle Peluche. Coucou. Regardez, c'est Peluche. C'est original pour une peluche. Oui. Je vais envoyer ça, la capture que je viens de faire. Oui, bah tu peux le faire, te l'envoyer. J'ai pas le temps. Peluche, toi tu... T'as pas le temps, mais moi je filme, bébé. Moi je travaille. Non mais attends, bon vas-y chérie. Ah, c'est attends, Peluche. J'ai plein de trucs à faire en même temps. Tiens, regarde où j'ai mis Peluche. Oui, j'ai vu. Allez, vas-y, attends, j'envoie une capture d'écran. C'est le 8 qu'il faut ouvrir. À ton père. Oui, c'est le 8, chérie. Cool. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est des mini crocos. Oh. Un mini croco et... C'est quoi, non? Attends, je vais le sortir. Attends, bah sors-le pas, chérie.
On va regarder à travers. C'est parce facile. Qu'après, ils vont sécher si jamais... Ah d'accord, c'est une voiture, je crois. Oui, c'est une voiture. Tiens, tu mets dans la boîte ? Je suis pas sûre, mais oui. Ah oui, mais non, mais elle a plus de place, ta boîte. Si, j'en ai fait. J'en ai mangé quelques-uns hier. Ah bon ? Allez, après. Moi, je dis, c'est un Pokémon aujourd'hui. Attends, je veux voir. Oula ! Vas-y, mets sur tes genoux. On est le 8. 8. Elle est tout petit. Oh, ça sent oui, c'est un petit Pokémon. C'est Poussifeu ! Oh, Poussifeu, le petit Poussifeu ! Oui, j'adore. Regardez. Regardez. Non, mais vas-y, vas-y. Sors. Non, mais sors-le. Je le montre. Alors, vas-y. Non, mais on va... Attendez. Là, on le voit très bien. T'es un peu près, mais... On le voit très bien. D'accord. Allez. Allez, viens là. Poussiflette. Je t'aime. C'est lui qui grince. C'est lui qui grince, oui. Elle a une. Pauvre Oli. Elle a deux. Allez, Peluche, tu m'aides. Elle a une. Elle a deux. Elle a trois. On est mal barré. On est mal barré. Oli. La pauvre, quand même. Faire de bêtises demain. Bah ça se trouve, hein. Tu sais qu'un plat ça s'enlève pas comme ça. Mais avec la magie ça se soigne. Ah peut-être. Oui peut-être. Elle va peut-être déjà aller un peu mieux demain. En plus t'as vu, elle a dit que si tu lui donnais un petit gâteau, ça lui donnerait un peu de force. Tu veux je t'aide peut-être ? Ouais. Ouais. Allez, bouge pas, tiens-le. Ils sont durs à enlever. Je vais en faire un 9 et ça va être un autre Pokémon. Attends, le 9. Arrête de regarder. T'es chiant. Bah non, mais tu te spoil. Oh la vache. Oh, je suis là. Vas-y, tu fais ta vie. Ma vie de calendrier. C'est abusé. Bon, bah on le fera après. Hein. Vous l'avez vu, on le fera après. Papa, il va. Fou, j'ai failli ouvrir la case. Allez, vas-y. Désolé. Oula. Ouais, fais attention. Tiens-le, le bord, ouais. Mais non, oh, mais non, t'as pas besoin. Mais non, c'est juste le devant qui s'ouvre. Ah, d'accord. Voilà. C'est un stylo magique. Un crayon magique. Un feutre magique. C'est pas une, c'est pas une baguette, non. Non, c'est... Oh, attention. Non. Oh, ça y est. C'est un marqueur. Bah, on va voir après. Qui le... s'efface pas. Oh là là. Bon, un okay. Marqueur qui s'efface pas. Ouais, mais ça doit être un marqueur magique, je pense. Non, moi, on va te l'enlever après. Ikea. Ikea. Tu crois que ça va être quoi? Bah, moi, je sais ce que c'est. J'ai ouvert le mien ce matin. Ah oui. Et je pense que tu vas être content. Spéculoos. Non. Marquette de mini chocolat. Olé. Bah oui, c'est des mini barquettes. C'est pas ce que t'allais dire. Mais du coup, t'as trois sortes. T'as la mini tablette chocolat au lait, mini tablette chocolat au lait cannelle, mini tablette chocolat au lait orange. Toi, ah, t'en as deux ? Oui, il y en a deux. J'en ai qu'une. Putain, t'as ouvert la bonne case ? Oui, ils sont gourés. Ils m'ont mis deux au lieu d'une. Non, mais attends, ça se trouve, c'est moi. Ça se trouve, c'est moi qui ai mal regardé ce matin. Non, c'est quoi? Mais ça se trouve, on n'a pas les mêmes trucs, ça se trouve dans les mêmes. Ben non, moi j'en avais qu'une. Mais what the fuck? Ben ça se trouve, parce que quand on regarde derrière, il y a bien marqué, il y a bien un truc là où il y en a deux. Là, une. Et là, une. Donc ça se trouve, toi t'as eu le jour où t'en avais deux. Et moi, il y a un autre jour où je vais avoir les deux. Je pense. Là, j'ai cru que j'en avais oublié une. Bah pas tout de suite, on va manger. Papa. T'as pas fait des tests sur la télé. Bon alors, tu l'as toujours pas sortie? Elle est dure. Oh, et, mais aujourd'hui... Toi aussi. Bon, vas-y, allez, papa, il le fera, hop. Tu te dis quoi, toi? Non, bah attends. Tu le faire et toi, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et où? Oh, il est cher. Montre, mais montre. Ah,
Ah d'accord, c'est pour ça. La déception. Mais attends, c'est trop bien. C'est des petits nous, c'est des petits ours. Un calendrier, le enlever le calendrier. Oui, il y a ces deux-là, on n'arrive pas à enlever les trucs des cases. Regarde, j'ai deux tablettes de chocolat. Et moi, j'en ai eu qu'une. Et lui, il en a eu deux. C'est pas bizarre. Ça se trouve, celle-là, elle a glissé. Tiens. Non, mais je pense qu'il y a un jour où... Parce que regarde, derrière, il y a marqué... Un jour où t'en as deux, je pense. Un jour une, un jour une. Et moi, j'en ai eu qu'une dans je la même case. Tu peux manger une? Non, tu vas manger. Bon, on va regarder c'est quoi le tour de magie. Ok. Recoucou. Il est 13h24. Bah, à chaque fois, je rigole quand on commence l'énigme parce qu'il me raconte des âneries, là. C'est parti pour le lancer des... Alors, Arthur m'a choisi le gratte-gratte. Je déteste les bons coups. Parce que t'as pas de... Enfin, t'as juste deux trucs à gratter. Si tu grattes, tu gagnes. Point. Mais ouais, bah alors toi, oui, par contre, les bancos, pour toi, c'est parfait. Moi, j'aime bien les petits numéros gagnants, les petites casounettes. Allez, c'est parti. Donc, vous allez voir que je vais gagner pour gratter ce banco. C'est un 7 170 ? Toujours pas, 107. Ah, 107. C'est même pas compliqué. Je sais pas dans quel ordre tu les... Oh, ça va. C'est parti. Il me fait déjà chier. T'es sérieux, là? Non. 107. Oula. Trois têtes de tigre. Alors, attends, parce qu'on a vu... Oh non, j'ai vu le poids, tonne et tout, ça y est, je suis déjà marre. On a vu que trois têtes de tigre, des fois, c'était plus facile que un tête de tigre. Hein. Le poids du canon. Bonjour. Oh, mais vous paraissez bien tendu. Que se passe-t-il? Ça ne marche pas comme vous voulez? C'est long. Ah, ne vous inquiétez pas, car vous aurez une clé si vous répondez à ma question. Écoutez-la attentivement. Un canon pèse 2 tonnes, plus la moitié de son poids. Combien pèse-t-il? Mais c'est 3 têtes de tigre, ça? Ben... Tu fais la moitié de 2 tonnes. Ça fait une tonne? Je sais pas. S'il pèse 2 tonnes, un canon pèse 2 tonnes plus la moitié de son poids, donc plus la moitié de 2 tonnes, bah ça fait 3 tonnes. Mais c'est pas 3 têtes de tigre, ça. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Genre, ça serait pas aussi simple. Ouais, 235, la solution. Merci, je vais te lire. Est-ce que toi, t'as le même raisonnement ou est-ce que tu penses que c'est autre chose? Non, je pense à autre chose. Ah, tu penses à autre chose? Ah merde, ça veut dire qu'il y a un piège. Je vais pas me foncer tête baissée comme hier, attendez. Est-ce que ça vaut 3 têtes de tigre? Ça a l'air long, il lit. C'est encore un truc tordu. C'est un truc tordu. Mais parle, bon sang. Attends, j'essaie de comprendre. Il comprend pas la solution. Non, on est dans c'est la merde. Mal expliqué. Je trouverai jamais. Bon bah. Non, mais il se fait... Bon. Vas-y, réfléchis, hein. Joli. Ça donne quoi? C'est la merde ou pas? Bah de... il pèse 2 tonnes. Plus. C'est plus ou plus? Plus. Parce que c'est PLUS, mais c'est plus la moitié de son poids. S'il pèse 2 tonnes, la moitié de 2 tonnes, c'est une tonne. Tu l'auras pas, je te dis. Je comprends le raisonnement, mais. Tu t'es arrêté où en maths Bah non, mais attends, non mais. D'accord, ok, je l'aurai pas, si tu veux. Si on lit texto, un canon pèse 2 tonnes. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde. Il pèse 2 tonnes, non mais c'est marqué. Un canon pèse 2 tonnes. Plus la moitié de son poids. Bah du coup, il pèse pas 2 tonnes. Ouais. Il pèse 2 tonnes plus la moitié de 2 tonnes. Puisqu'il pèse 2 tonnes. Plus la moitié de son poids. Son poids, c'est 2 tonnes. Donc, plus la moitié de 2 tonnes, c'est 1 tonne. Donc, combien pèse-t-il? En vrai, normalement, c'est 3 tonnes. Mais c'est pas ça, parce que sinon, c'est beaucoup trop simple. Et tu me dis en plus que je comprendrais pas. Non, tu l'auras pas, je te le dis. Là, pour le coup, c'est 3 étoiles, mais... Tu l'aurais eu ou pas, toi? Je pense même pas. Oh! Parce que c'est tellement mal écrit que j'aurais pas déduit ce qu'eux ont déduit. Donc, ouais, mais là, si t'as un esprit simple comme le mien...
Oui, mais non, ton esprit simple, c'est pas... Il a bah oui, non, mais je me doute. Parce que là, du coup, ça serait même pas une tête de tigre, en fait. Là, même Arthur saurait le faire, tu vois, donc c'est... C'est mal écrit. Je comprends l'idée derrière, mais c'est vraiment mal écrit. Mais tu comprends que moi, j'ai ce raisonnement-là, parce que c'est ce qui est écrit, en fait. Il n'aurait pas dû te parler du poids du canon, en fait. Ah bon? Imagine que le canon, c'est avec les roues, et que les 2 tonnes, c'est juste ce qu'il y a sur les roues, par exemple. Mais... T'as pas le poids total du vrai canon. Ouais, non, mais ça, j'y ai pensé, que ça se trouve, c'était séparé, mais c'est pas dit dans l'annonce, donc non, tu peux pas le deviner. On dit pas une annonce, on dit un énoncé. Oui, un énoncé, alors t'as compris. Mais tu peux pas le deviner, ça. Non, mais c'est mal écrit. Donc, en gros, t'as pas le poids total, t'as en fait, le poids d'une des parties. Un canon pèse 2 tonnes, plus la moitié de son poids, c'est la charrette, en fait. La charrette pèse 1 tonne. Bah, donc il pèse 2 tonnes. Non, parce qu'il parle du poids, mais il parle du poids total. Il parle pas du poids du canon. Alors, le canon pèse 2 tonnes, plus la moitié de son poids, donc ça fait 3 tonnes le tout. Bah non, alors. Un canon, mais c'est hyper tordu. Oui, c'est... je te l'ai dit, dans ce livre-là, il n'y a rien qui va. Bah si, il y en avait une ou deux quand même qui étaient... Non, il n'y a rien qui va. Quand c'est 3 étoiles, tu tombes sur un truc tout pourri. Quand c'est 1 étoile, tu tombes sur un truc où il faut avoir un master pour le comprendre. Là, c'est 3 étoiles et l'énoncé n'est pas clair. Mais des fois, t'as des 3 étoiles, c'est même pas 1 étoile. Parce que hier, c'était 3 étoiles, la purée. Oui, je crois. Non, c'était pas 2. Non, c'était 3, parce qu'on a dit ça valait même pas 1. Tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, quasi personne n'a trouvé. Il y a une personne qui a trouvé. Alors, je pensais que tout le monde allait trouver, mais en fait, non. L'expression pédaler dans la purée n'est pas si connue. Et Buchette, elle utilise pédaler dans la choucroute, qui est une des 4. Parce qu'il y a pédaler dans la semoule, ça c'est celle qu'on utilise quasiment tous. Arrête, laisse Buchette tranquille. Pédaler dans la purée, ça peu de personnes la connaissent. Pédaler dans la choucroute, ça c'est Buchette. Et pédaler dans le yaourt, alors ça c'est, je crois que personne ne l'utilise celle-là. Bref, tu l'auras pas à dire. Mais attends. Un canon pèse 2 tonnes. C'est donc... une équation du second degré, si ça peut t'aider. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Là, si tu sais pas ce que... Si ça parle même pas... Non. c'est la température ou pas? C'est ouais. Second degré. Ça veut dire... non, attends. Le canon pèse 2 tonnes. Plus la moitié de son poids. Donc... Le canon fait 2 tonnes et la moitié de son... Ah, la moitié... Oui, et ben A, plus la moitié de son poids. Je ne sais pas s'ils l'ont mis en seconde. Vas-y. Le canon pèse 2 tonnes, plus la moitié de son poids. Donc, la charrette fait 1 tonne. Plus la moitié de son poids. Le canon... Si quelqu'un trouve, mettez-le en commentaire sans tricher, attention. Ah non, c'est même pas une équation de seconde, c'est juste une équation simple. Mais tu l'aurais pas trouvé. Le mec n'avait pas foi du tout en moi. Un canon, je l'aurais pas trouvé à cause de mes connaissances en maths ou à cause de l'énoncé? Déjà l'énoncé et... Et les deux. T'aurais pas retranscrit l'équation comme il faut, donc... Oui, donc de toute façon, c'est mort de chez mort, quoi. Je vais quand même tenter un truc. Le canon, il pèse 2 tonnes. On dit plus la moitié de son poids. Donc, 2 tonnes plus ça, on va dire, ça fait 3... Et combien pèse-t-il? Bah, le canon tout seul, 2 tonnes. Non, je sais pas. Je sais pas. On va dire... Allez, je vais tenter un bluff, on sait jamais. 3 tonnes et demie. Je sais pas. J'ai tenté un bluff. T'as validé, là, c'est fini? Ouais, parce que c'est pas 3, donc je me suis dit 3 et demie. 4. Pourquoi j'ai pas tenté le bluff avec 4? Mais c'est mal foutu. Mais pourquoi? L'explication, c'est quoi? Parce qu'on veut tout savoir, là. C'est tout pourri. Pourri sa mère, c'est pourri. Tiens. Quelle est la solution? Oh, mais je crois que t'allais nous la lire là. Oh là. Captain, attention, le poids du canon n'est pas de 2 tonnes puisqu'il pèse plus. Son poids est inconnu. Représentons-le donc par X. Le canon pèse donc 2 tonnes plus 1 demi X égale X. Moi, je me rappelle plus de tout ça. Je sais que je l'ai vu, mais c'est fini, quoi. 2 égale x moins 1 demi x égale 1 demi x. Donc, 2 égale x... C'est quoi, ça? Comment on lit ça? Sur 2?
X sur 2 ? Oui. Ou 2 fois 2 égale 4. Mais on n'a rien compris, même. La dernière étape, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose. Ah si. C'est une équation, sauf que l'équation, elle ne veut rien dire. Parce qu'ils te disent le poids du canon, c'est 2, et après ils te demandent le poids du canon, donc ça ne veut rien dire. Voilà, c'est tout. C'est quoi cette année, les énigmes ? Merci Opal, merci Opal pour le cadeau. Il est très bien. Mm-hmm. On est content. Bon, bah tu peux gratter. Même si tu l'aurais pas eu non plus. Ah non, bah clairement, l'énoncé veut rien dire. Donc, après, peut-être que quelqu'un. Si le canon pèse 2 tonnes, c'est qu'il pèse 2 tonnes. Ça sert à rien de te dire bah qu'il oui. pèse 2 tonnes plus quelque chose. Bah oui, dans ce cas. Ou alors tu décris qui pèse quoi. 1 euro. Putain. Voilà. Le petit me rattrape. Parce que les gains que Arnaud gratte vont pour la cagnotte d'Arthur. Donc il a 15, c'est ça ? T'avais 14, je crois. 10 et 4. Donc 14, et moi je suis toujours à 20 avec un ticket. J'ai réussi à avoir 20. Heureusement, parce que sinon je serais à la traîne. Bon. Et ben c'était bien l'énigme. Non, mais je l'aurais jamais eu. Là, vraiment. Si, j'aurais pu trouver, mais au hasard. Tu dis pas le poids du canon, c'est 2 tonnes et quelque chose. Parce que du coup, s'ils te demandent le poids du canon, bah, c'est 2 tonnes. Ils te le disent dans l'énoncé. Bah oui. Du coup, pour toi, tu pars en tête avec le poids du canon, c'est 2 tonnes, point. Donc déjà, de base, tu peux pas deviner que le poids du canon, en fait, il est inconnu. Voilà, c'est de la merde. Imagine quelqu'un arrive à trouver dans les commentaires. Ils peuvent pas trouver parce que l'énoncé n'est pas assez. Mais on sait pas, peut-être que quelqu'un a un esprit. Tu peux pas dire le poids du canon, c'est 2 tonnes, plus quelque chose, et dire c'est quoi le poids du canon, il te le dit, c'est 2 tonnes. Ben oui. Bah oui. Puisqu'il te dit c'est. Puis c'est la seule info que tu as. 2 tonnes plus la moitié de son poids. Ce qui veut dire que la moitié de son poids, c'est 2 tonnes. Enfin, c'est la moitié de 2 tonnes. Puisqu'il te le dit que le poids du canon, c'est 2 tonnes. C'est juste mal écrit. Je vais envoyer à Buffet de voir s'il y a trop. Bon courage, Buffet. Buffet. Je vais l'appeler Buffet. Buffet et Buffon. Buffet. Bon, allez. Bon, bah voilà, ouais, c'était l'énigme. Hein ? Ça pourrait être pire. Ça pourrait être quoi ? Bah, Buffon, ça ressemble un peu à Buffon, hein, donc. Buffon, oui, mais bon. Bouffon et Buffon. Eh oh ! Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est toi, hein. Bah, non ! Moi, toi, c'était Buffette et Buffon. Pas Buffon et Bouffette ? Non, mais j'ai perdu, j'arrive plus à le dire. Bouchette ? Non ! C'est quoi ? Ah, je te laisse dans ton. Bouffette ? Ouais. Buffon et Bouffette. Ah, oui, c'est ça. Buffon, n'importe quoi. Mais Bouffon et Bouffonne, moi, là-bas, non ? Ah oui ! Bouffon et Bouffonne. Bouffette, ça fait un peu moufette, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, allez, sur ce, je vais aller broder un peu. Oui, je vous avais dit que ce matin en live, on avait pas mal avancé. Enfin, pas mal. Non, j'abuse. Je suis un peu marseillaise. On avait fait le haut de la cloche et les petites branches de sapin sur les côtés. Là, il reste plus que la cloche. Donc, je vais vous embarquer un petit peu avec moi, comme d'habitude, avec une petite musique sympathique de Noël. En fond sonore et en accéléré. Et voilà. C'est tout. Oui, et je vous dis à tout de suite. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin. Angel voices.
Je voulais vous montrer ce petit paysage. Il est 17h20, je sais pas, 22, quelque chose comme ça. Et vous voyez, il fait quasiment nuit. Il n'y a que le soleil qui se couche là-bas. Et je vais chercher Arthur à son heure sup, là, vous savez. L'heure qui fait en plus le jeudi pour que le prof puisse lui donner des choses du niveau du dessus. Et du coup, ça y est, là, c'est l'heure. Il fait super froid. Et je voulais vraiment vous faire profiter de ce petit paysage. Avec le soleil, attendez, faisons une pause. Oh, j'adore, je vais peut-être prendre une photo. C'est trop beau. Oh, j'adore. Attendez, on va faire une petite photo. Oh, j'adore. Bon, vous, ça paraît flou, mais pour moi, c'est net. Tac, voilà. Oh là là, bref. C'est trop beau. Regardez, c'est calme. On entend les petits oiseaux, mais l'eau est très très calme. Oh, j'adore. Oh là là là. J'aimerais pouvoir tous les jours aller le chercher à cette heure-ci. Enfin, pas le chercher à 17h30. Mais en fait, qu'il fasse ce temps-là à 16h30. Parce que c'est vrai que c'est très joli, le coucher de soleil comme ça. J'ai ressorti mon manteau. Ça y est. Parce qu'il faisait trop froid. Là, c'est pas possible. Il fait... Je vais vous dire ce que mon téléphone me dit. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le bougre? Il me dit qu'il fait 2 ressentis moins 1. 2 ressentis moins 1. Donc ça y est, je crois que cette nuit, ça va être... Oh, puis il y a de la fumée. Cette nuit, ça va être la première nuit où il va geler, parce qu'il n'a pas encore gelé chez nous. Autant en journée, on reste à 2-3 ressentis 1, pas plus. Autant la nuit, bah, on reste à 1. 0 ou 1, du coup ça gèle pas. Et là, je pense, je le sens, j'ai très très froid, j'ai le bout du nez tout rouge. Je sens que cette nuit il va geler. Ça va être les premières gelées. J'adore quand il gèle. J'aime bien ce paysage vraiment froid, sec, avec le paysage tout gelé, quoi. Je trouve ça très joli. Oh, non mais je ne me lasse pas de ce paysage. J'adore. Bref, il faut que je me speed, attendez. Je vais être en retard. Il est quelle heure? 26. Je vais me speedouiller la nouille. Parce que je traîne. Bref, oui, tout ça pour dire que j'ai ressorti le manteau. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas forcément besoin de mettre mon écharpe. Alors, peut-être que je vais quand même la mettre un peu le matin et tout. Là, j'aurais peut-être dû la mettre. Mais en fait, comme il se boutonne très haut, ça me cache le cou. Mais c'est vrai que l'écharpe peut être bien pour cacher un petit peu le bas du visage aussi. Et il a une grande capuche. Là, je l'ai pas mise et tout, mais il y a une grande capuche qui... Je vais essayer de vous montrer. Je l'avais eu l'année dernière chez Kiabi, je crois. Pour ceux qui... Voilà. Vous voyez, une grosse... une grosse capuche, tout en moumoute comme ça. Ah, bref, bon là, ça donne rien avec mes cheveux qui sont attachés avec la pince, mais... Voilà, bref, j'ai fini ma broderie. J'ai déjà posté la photo sur Insta et tout. Et du coup, je vous la montre à la clôture du vlog. Et voilà. Bref, et j'ai pour mission d'amener un paquet de bonbons qu'on a acheté pour une copine d'Arthur qui fait les heures sup avec lui là, puisqu'elle lui avait passé des doublons, vous savez, des stickers de foot d'Intermarché. Et du coup, pour la remercier, j'avais dit: Arthur, on va prendre un petit paquet de bonbons pour ta copine. Voilà, allez, je vous laisse parce que j'ai les mains gelées. Je prends Arthur, on rentre au chaud. On fait les devoirs et je vous retrouve après pour la dégustation du thé et la clôture du vlog. A tout à l'heure. Attends. Je sais pas si vous allez voir là-bas. La pleine lune, c'est ce soir. Et vu qu'il y a des loups dans l'île, peut-être qu'on va entendre des hurlements. Oui, Arthur a vu qu'il y avait des loups dans notre département et il dit qu'on va peut-être entendre des hurlements. Moi, je la vois plus. Je peux pas zoomer plus en fait. On dirait un peu un soleil sur la caméra. Oui, on dirait un soleil sur la caméra, mais moi, je la vois plus grosse. Et voilà, elle est bien ronde, elle est là. Et elle est trop trop belle. C'est quoi? Tu veux montrer? Vas-y. Coucou.
Tu expliques, c'est pourquoi ça? En fait, c'est pour Noël, pour mes copains à l'école. Moi, j'ai choisi celui-là. Cette orange, comme ça. Il y a la même chose, mais pas de la même couleur. Oui, c'est les... Moi, j'ai choisi cette orange et un sucre d'orge orange. Ouais. En fait, comme l'année dernière, j'ai commandé sur... Sauf qu'avant, c'était pour Pâques. Non, c'était pour Noël. Ah. Sur la boutique générationsouvenir.com, c'est pas du tout un partenariat, je précise. J'ai commandé, comme l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, un petit paquet par enfant. Ils sont donc cette année 19, avec Arthur compris, donc 18. Enfin, ils sont 19. Et du coup, je leur ai commandé un petit sachet qu'il emmènera le dernier vendredi avant les vacances de Noël. Un petit sachet avec à chaque fois à l'intérieur les mêmes trucs. Donc il y a une sucette. Un petit parapluie en chocolat, un Père Noël, deux papillotes, une tête brûlée, un petit carambar, un sucre d'orge et une pièce en chocolat. Voilà. Et c'était pas très cher, c'est pour ça qu'à chaque fois je prends ces petits paquets-là, c'est 3,50. Donc après, bon, x 19, ça fait un petit pécule, mais 3,50 pour un sachet de confiserie comme ça, je trouve que c'est raisonnable. Ah oui, il y a un créma en plus. J'ai un rouge à lèvres, moi. Oui, un rouge à lèvres en bonbon. Donc voilà, on emmènera tout ça. Ça me fait plaisir de gâter les enfants le dernier jour de l'école, quoi. Voilà, on emmènera ça avec un petit cadeau en plus pour le maître et pour le directeur. Et je vous montrerai tout ça de toute façon le dernier vendredi avant les vacances de Noël. Hello tout le monde, je vous retrouve. Il est 18h42, un petit peu tard. Ah non, c'est un reflet. Non! Mes écrans se sont mis en veille, attendez. C'est bon, on se voit. On se retrouve un petit peu tard, tout simplement parce que j'étais avec Arthur. Et que du coup, j'ai pas pensé forcément à faire le thé et tout. Et puis oui, c'est surtout que bah, comme je l'ai récupéré à 5h30, tout s'est fait un peu plus tard. Voilà, bref. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Alors j'ai fait un fusée, oh je l'ai plus. Jardin bleu, je crois que c'était ça le nom. Et en plus, je l'ai mis sur la table du salon, je l'ai pas acheté le sachet pour l'emmener, mais j'ai oublié. Je l'ai fait infuser. Alors ça sent les fruits, ça sent la fraise. Voilà, je sais pas vraiment si ça sent la rhubarbe à la senteur. Je dirais peut-être un petit peu ce côté un peu acidulé. Ouais, peut-être. Mais ça sent pas mal les fruits rouges et surtout la fraise. Donc je pense que c'est ce qu'on se disait avec ma petite bûchette, que c'est vraiment le thé, le classico-classique. Vous voyez, le thé vraiment où tu peux pas être déçu. À part si t'aimes pas les fruits rouges. Quoi, mais... Donc, c'est parti. On va le déguster ensemble. Oh, il est bon. Il est quand même bon. Alors, c'est-à-dire qu'il... Attendez, je regoute. Il est très bon. Très, 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 très bon. Très petit goût d'Hollywood chewing-gum à la fraise, vous voyez. Super bon, presque un peu sucré. Par contre, je crois que c'est ce qu'on se disait avec Bûchette, c'est que il a tellement un goût, je la rejoins du coup sur le truc, parce que en fait, elle m'a donné son avis sur le goût, et avant que je le goûte, du coup, et elle m'a dit que c'était très bon, mais que c'était un thé tout à fait classique, et à l'intitulé, c'est ce que moi je pensais aussi. Et c'est vrai qu'au goût, il est très bon. Par contre, c'est le genre de thé où tu peux trouver facilement un thé qui ressemble beaucoup moins cher que Daman. Parce que Daman, c'est quand même une bonne marque. Et du coup, les thés sont un peu plus chers qu'une marque lambda que tu vas trouver en supermarché. Et du coup, pour le prix, c'est ce qu'on se disait. On préfère prendre des trucs, par exemple, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme le Pantone ou le Banana Pancake. Où là, c'est des trucs que tu vois un peu moins ailleurs. Plutôt que celui-là, où c'est juste fraise, fruits des bois, et que tu peux plus facilement retrouver un truc qui ressemble ailleurs. Voilà, pour le prix, il vaut mieux prendre un truc que tu trouves pas forcément ailleurs. Par contre, c'est vraiment un petit peu le thé doudou. Alors, ça fait pas du tout Noël, limite ça fait printemps-été, tu vois. Mais il est très très bon, très très bon, vraiment très, très fruité, très très bon. Voilà, je valide. Je vais vous montrer... La toile d'épée, on ne va pas oublier. Donc, je vous avais pas montré la case d'hier, puisque bah, j'allais la faire en live. Et c'était le haut du chapeau. Voilà, c'était cette case-ci qu'on a fait en live. On l'a même terminée bien avant la fin du live. Et du coup, on a brodé un petit peu. Je vais vous montrer tout de suite. On a avancé un petit peu sur...
enfin j'ai avancé mais en live donc avec vous quoi, sur, attendez si j'arrive à me dépatouiller, sur la boule, vous savez la boule avec les perles que j'aimerais bien finir là ce week-end. Hop, attendez, il y a mon aimant, voilà, on a avancé un petit peu dans les petits sapins en perles, donc il me manque la moitié d'un petit sapin, quelques points, et après elle sera terminée, je pourrai la découper et mettre une petite accroche, voilà, et je l'aime beaucoup, avec un aimant de la boutique Poussière d'Étoiles bien sûr. Voilà, Sabine de Poussière d'Étoiles a mis sa boutique en pause jusqu'à mercredi. Voilà, sa boutique est en pause jusqu'à jusqu'à mardi. Putain, je vais pas y arriver. J'ai toujours envie de dire mercredi. Jusqu'à mardi, puisque mardi, elle réouvre sa boutique. Donc, elle prend quelques jours de repos. Et mardi, elle réouvre sa boutique, puisque j'ai l'honneur de déballer un colis surprise que je reçois demain. Mais je le déballerai mardi sur Twitch à partir de 9h30. Donc, si vous voulez être là mardi à 9h30, donc mardi 13 à 9h30, à partir de 9h30, n'hésitez pas, puisque je vais découvrir des petites choses en exclusivité avant que ce soit mis sur sa boutique. Donc il faut absolument être là. Je ne sais pas du tout tout ce qu'il va y avoir, je vais découvrir ça en même temps que vous, et vous allez découvrir ça aussi en avant-première lors du live. Donc si vous voulez être là, n'hésitez pas, ça sera mardi matin. Voilà, donc ça c'était la petite case qu'on a fait en live hier, et la case du jour c'était celle-ci. Voilà, et on commence à voir un petit peu apparaître. Du coup, pour la première fois, on a deux cases qui se touchent, qui composent la moitié de la couronne qui est sur la porte. Voilà, et vous voyez de loin, on voit bien la lumière dans le lampadaire et tout. Donc, voilà, et la case de demain, on sera le 9, c'est ici. Attendez, hop, ici. Donc, un bout de la porte et un bout de la luge. Et la poignée, c'est la poignée de la porte, ça ? Ou c'est le haut de la luge ? Non, c'est la poignée de la porte, je crois. Voilà, donc un peu de vert, un peu de rouge, un peu de blanc. Ça change des cases. Enfin, vous allez me dire, celle-ci, il n'y avait pas du tout de neige. Mais là, ça change un petit peu. Puis ça a l'air pas trop confetti. Donc, c'est cool. Voilà. Et est-ce qu'elle touche une autre ? Non, elle touche pas encore une autre. Hop. Et la broderie, donc, le modèle d'aujourd'hui a été assez rapide à faire. Comme vous avez pu le voir, j'avais fait donc le haut de la cloche avec les petites branches de sapin en live avec vous ce matin. Et voici la case terminée. Attendez, j'essaie de bien vous la mettre. Voilà, donc une petite cloche avec... donc là, on a les petites branches, un petit peu de sapin et le petit nœud, c'est ce qu'on a fait en live. Et après, c'était juste il fallait juste descendre en forme géométrique et tout. Donc c'était assez simple en soi. Il y a du rouge, du blanc, du jaune pastel et un espèce de couleur chair, un rose couleur chair. Voilà, et je la trouve trop trop jolie cette case. Et toutes celles qui vont arriver après, elles sont encore plus belles, en tout cas à mon sens, elles sont, enfin pour mes goûts, elles sont encore plus jolies. J'ai très très hâte. Le derrière, le voici, ça peut aller. Ça peut aller. Est-ce que mon derrière est propre aujourd'hui? Voilà. Et de loin, ça donne ça. La deuxième rangée est officiellement terminée. C'est beaucoup trop joli. Voilà. J'adore. Et avec toujours un aimant de poussière d'étoiles avec les petites souris qui dansent. Petite souris de Noël. Voilà. Et le modèle de demain, j'ai très hâte. Bah là, je vous dis, tous les prochains, jusqu'à la fin, c'est que des modèles où je peux pas choisir vraiment mon préféré parce qu'ils sont tous magnifiques. Et demain, c'est des moufles. Et c'est beaucoup trop beau. Des petites moufles, regardez. Pour le jour 9. 9, hein ? Ouais. Des petites moufles avec un petit motif, un espèce de petit motif flocon sur le dessus. On a le numéro 9 ici. On a un petit flocon là. Un espèce de petit flocon là. Et des petits détails en blanc sur le haut des moufles. Et la petite ficelle qui les tient. Enfin, qui permet de les maintenir ensemble. Je trouve le modèle de demain magnifique. Voilà, ça va être trop beau. Des petites moufles. Oh, j'adore. En plus, rouge, vert et blanc. Enfin, toutes les couleurs ressortent bien sur ma toile bleue. Mais rouge. Bah, le rouge et le blanc, c'est vraiment les couleurs qui pète le plus. Ah, le chocolat, on n'a pas goûté le chocolat. Alors figurez-vous que Arnaud, dans son, parce qu'il a aussi le calendrier Ikea, il a eu une tablette comme moi, et Arthur en a eu deux.
Et on avait vu, du coup, à l'arrière du calendrier que on a l'impression, en tout cas, que dans une case, il va y avoir une tablette, dans une autre case, une tablette, et dans une autre case, deux tablettes. Et en fait, Arnaud et moi, on a eu pareil, une tablette, et Arthur, il a eu deux tablettes. Et en fait, quand on a eu les sablés, là, un peu pain d'épices spéculoos, de chez Ikea, donc, Arnaud et moi, on avait eu la tête de Père Noël, et Arthur, il avait eu une cloche. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs variantes de ce calendrier au niveau de la répartition dans les cases et dans les jours. Et je pense que Arnaud et moi, on a la même variante, et Arthur a une autre variante. Alors, donc, ma petite tablette... Oh, ça sent la cannelle. Je pense que c'est la tablette à la cannelle. Ouais, ça sent légèrement la cannelle, donc je vous montre. Regardez comment c'est joli. Est-ce que ça va faire le point? Ouais. Ouais. C'est joli. Alors, goûtons ça. Cannelle. Alors moi, j'adore la cannelle. Est-ce que je vais être objective? Je sais pas. C'est très fin en bouche. C'est pas le truc écœurant où tu dis ouais c'est trop sucré, trop. Non, pas du tout. C'est pas du tout trop sucré. Juste pile ce qu'il faut. Il est très doux en bouche. Et on sent qu'il y a de la cannelle, mais c'est pas. Si vous aimez ça, mais pas trop, vous allez aimer le chocolat en fait. C'est pas, t'as pas l'impression de mettre une cuillère de cannelle dans la bouche. Dédicace aux plus anciens de la chaîne qui se rappelleront d'une certaine vidéo. Alors moi qui adore la cannelle, même à outrance, tu vois, moi c'est un peu abusé, je le trouve très bon. C'est-à-dire que, voilà, il n'y en a pas tant que ça au goût et ça me va très bien. C'est très bon, ça va. Enfin, je trouve que le dosage chocolat-cannelle est très très bon. C'est hyper gourmand. Je survalide. Bah, de toute façon, je l'ai bouffé en deux secondes, vous avez vu. Je survalide ce chocolat. J'ai encore mon petit choco bon pour tout à l'heure. Et le reste du petit thé. Ouais. Oh, le chocolat. La gorgée de thé après le chocolat cannelle. Noël. T'es vraiment dans l'ambiance Noël. Voilà. Bref. Ce soir, bah là, je vais essayer de faire un petit peu le montage avant le repas. Ce soir avant minuit, parce que je fais pas mes cases de broderie et de. Attendez, parce que là, regardez, dans ma boule, tout est emmêlé. Je fais pas ma case de broderie ni ma case de DP du lendemain avant minuit, en fait, parce que je ne triche pas. Donc, comme il n'y a pas live ce soir, je vais pouvoir finir d'emballer les petits lots que j'ai emballés pour les concours et je vais essayer de finir la boule. Ça va être mon objectif de ce soir. Donc, demain. Si bah vous verrez si j'ai réussi l'objectif de la terminer. Ça serait trop bien parce qu'on va chercher le sapin dimanche. Et du coup, je pourrais la mettre dans le sapin dimanche et vous faire une belle photo. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Et après, du coup, je pourrais me permettre de commencer un nouveau petit kit de la même marque. J'en ai plein. Je vous avais fait un unboxing en live. Même deux unboxings. Et il y en aura un troisième qui arrivera... puisque j'ai une commande en attente sur cette boutique-là, puisque j'avais commandé des produits qui n'étaient pas dispo tout de suite, parce que j'étais pas spécialement pressée. Et en fait, tout est dispo, ils me tiennent bien au courant et tout de l'avancée. Tout est dispo, sauf un truc, et ils voulaient savoir si en fait je voulais être remboursée ou si je voulais attendre, et je leur ai dit non, ne vous inquiétez pas, j'attends, il n'y a pas de problème, et du coup, voilà, sinon j'aurais déjà reçu, c'est juste à cause d'un produit, d'un kit en fait, pour lequel j'ai demandé à attendre. Que j'attends, voilà. Mais sinon, j'en ai plein d'autres kits de la même marque avec des petits trucs comme ça qui mélangent fil et perles. Et du coup, bah, une fois que j'aurai terminé celui-ci, je pourrais me permettre d'en commencer un autre. Voilà. Comme si j'avais pas assez de trucs à faire. Bref, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, on se dit à demain. On sera vendredi. Enfin, pour vous, vous le verrez samedi, mais on sera vendredi. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort. Merci à tous encore pour vos nombreux commentaires. Je prends un énorme plaisir tous les jours à vous lire, à vous liker, à vous répondre. J'adore voir si vous réussissez les énigmes. Bref, merci à tous encore pour tout. Plein de gros bisous. Ah oui, et si vous regardez ce vlog le matin de sa sortie, donc le vendredi matin, ce soir à 21h,
Je suis en live sur Twitch pour débuter un nouveau jeu narratif, mais qui est un jeu d'horreur. Et moi qui sursaute juste avec une mouche qui pète, ça va être infernal. Donc si vous voulez vous marrer ou stresser avec moi, rendez-vous à partir de 21h ce soir sur Twitch, comme tous les vendredis soirs. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!